Hello tout le monde. Donc nous sommes samedi et on va se retrouver pour. Enfin, On se retrouve pour une petite balle. Et oui, j'ai eu deux courriers. Je suis partie faire les magasins avec mes filles cet après-midi. J'ai ouvert vite fait. J'ai posé. J'ai regardé comme ça. Hop, parce que je suis une curieuse. J'ai tout posé et j'ai dit bah tiens, je ferai la vidéo plus tard. En plus, on a fait un peu de shopping. Comme vous le savez, ça fait un bon mois et demi qu'Emma était partie. Dès qu'on a été déconfinée, elle est partie de la maison voir son amoureux, normal. Hein. Du coup, on l'a récupérée hier soir, je suis assez contente. Du coup, on a fait un peu de shopping et forcément, les filles ont voulu passer par Action. Donc j'ai trouvé 2-3 bricoles que je pense qu'il est intéressant que je vous montre après. Alors, on va commencer. Ce courrier me vient... Excusez-moi. Ce courrier me vient de Sylvie. Sylvie T. Alors, hop, oui, j'étais à rechercher ma poubelle parce que je vous ai fait une vidéo hier, je posais tout là, donc elle était à côté, prêt à partir avec mes cartons, j'étais la récupérer. Donc j'ai une très jolie carte avec une tarte, avec la recette de la tarte au Mirabelle. C'est un de mes fruits préférés. Alors, je lis le petit mot parce que je ne l'ai pas fait. Excusez-moi. Ouais, ça avance. C'est mon dernier week-end ici, Sylvie. Super. Caractus. Ou Cactavane. D'accord. C'est bien. Bonne préparation de bagages. Tu m'étonnes. Tu ferais des bisous à Marius. Ok. Bien. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je suis désolée pour vous, ma chérie. Oh, bah tu vois, j'ai reçu ta carte hier. Bah tu souhaiteras un bon anniversaire à ton mari. Tu lui feras un gros bisou de ma part. Ah, merci Sylvie, je te fais des gros bisous. Donc je vous remonte, c'est une carte avec la recette de la tarte Mirabelle. J'adore les Mirabelles. Je pense que je vais la mettre sur le frigo. À la coloc. Et donc c'est pas un... Enfin si, c'est un cadeau de Sylvie, parce que Sylvie, elle a fait l'envoi, elle m'a fait le petit mot. Qu'est-ce qu'il y a, mon cas? Je vais juste te demander pour faire démarrer la machine. Ah bah je vais te montrer, oui, c'est la nouvelle machine, je ne connais pas. Ouais. J'arrive tout de suite. Okay. Elle est mignonne, elle fait les machines. Et donc, le mari de Sylvie m'a fait une caravane avec des cactus. Pareil, tu sais, JPH 2020. Oh, trop bien, tu me l'as signé. Enfin, ton mari me l'a signé. Je vous montre. J'adore. Il dessine comme ça sur des galets. Et puis, enfin, non, c'est même pas un galet, sur une pierre. C'est pas de l'ardoise. Bah, si, c'est de l'ardoise, mais il l'a peint. D'accord, je crois que c'est de l'ardoise. Si je dis une bêtise, Sylvie, tu me rattrapes pas. Tu feras des bisous à toute ta petite famille. Hein, je vous embrasse bien fort et puis bon courage, puis bon repos cet été. Ensuite, je suis désolée, c'est pas la première fois que ça m'arrive de pas lire aux vidéos. Pourtant, j'ai dormi cette nuit. Ça me vient de Peggy. C'est mon petit poisson Kinder. Voilà. Alors, timbre, c'est bon. Donc, il y a une enveloppe. Hey, coucou toi. Oh, trop bien, t'as fait aussi ton petit tampon de crâneuse. C'est bien. Alors, le tampon de crâneuse, si vous le voulez, c'est 4 en scrap. Fort en scrap. Voilà, c'est une boutique française et ils vous font des tampons. Enfin, je sais, pendant le confinement, il y avait des ruptures. Mais ils vous font des petits tampons personnalisés. C'est sympa, hein. Ouh, merci. Merci de quoi? Pardon, je vous la montre. Oh là là. Je me cache derrière la carte pour bailler. Pas que vous me fatiguez, hein. En plus, ce soir, il y a un live à 21h, donc j'ai intérêt de me reposer. Hein. Si je baille pendant tout le live, ça va pas le faire. Alors, coucou Lucie. Pardon. Ouais, mes princesses vont bien, je te remercie, pays. Avant le confinement, d'accord. Ouh, sa première pocket header. Pas de fuse, d'accord. T'as essayé qu'à faire un soudé en vain, du coup j'ai... Cousu à la main. Eh bien,
Respect. Mon poisson Kinder. Merci, mon poisson Kinder. Excuse-moi. Donc, t'as cousu la main. D'accord. Yes. Trop sympa. Croque la vie, Lucie. Love, vacances, smile. Wanted, firm. Yes. Ah, mais tu t'es enquiquiné, quoi. Pardon, je vous montre. Yes. Je vous montre la pocket letter de Peggy. Avec des pompons. Donc, elle l'a cousu à la main. Vous vous rendez compte? Et derrière, il y a plein de petits scraps bidules. Je vous montre. Hop, et on s'arrête là parce que je vois qu'il y a quelque chose. Love. Ah, sur le papier, il m'a marqué love. Ah, attendez. Oh, je fais des bêtises. T'as bien du temps kikiné, hein. Merci en tout cas. C'est adorable. Voilà, il y avait une petite pochette. Avec la date et quoi. Tu sais, les courses, ça m'a fatigué. On est passé pour des vêtements. Enfin bref, après, on a fait un petit tour dans un Action qui était, mais... J'avais jamais, jamais vu un Action aussi plein. Pardon, j'ai postulé. J'ai même dit aux filles, je commençais à me sentir oppressée, j'étais pas bien. C'est débile, hein. C'est débile, mais bon, bref. À tes coins. Alors, c'est Peggy qui l'a fait, ça, je vous l'ai dit. Et... Ah, Surf Boho. Boho. Surf Boho. C'est la 2 sur 3. Excusez-moi, je vous la montre, ce que je ne voulais pas montrer. Vali, voilou. Eh ben merci mon poisson Kinder. Merci Sylvie. Merci aussi à ton mari. Vous êtes trop mignon avec moi. Donc je vais la mettre là. Il faut que je range ça dans le carton. Attention, je fais une vidéo chez. Dans le carton avec les autres créations. Ah non, tu me balances pas ça. Hein. Non. Bon, je vous montre un truc. Dad. Appuie pas trop fort dessus. Fais attention. Ah si, ça m'explose dans les mains. Bon, hier il faisait super beau, il faisait super chaud. Du coup, Emma a acheté un truc chez Action, là, un appareil pour faire des ballons, pour faire des bombes d'eau, quoi. Mais aujourd'hui, il y a un temps pourri. Enfin, quoique, ça va, mais il n'y a plus de soleil, donc jouer à l'eau. Attention. Non, moi, je vais voir comme un rose, alors je ne le ferai pas. Mais c'est marrant, parce que en fait, tu peux mettre au congélateur, et après, tu enlèves le truc en plastique autour. Ouais, le ballon. Et après, c'est tout dur et tout, c'est trop marrant. Ah d'accord, c'est super drôle. Et tu les balances pas après quand tu les sors du congélateur. Parce que Marie a dit qu'on les met au congélateur, donc forcément ça durcit. Ah, ça peut faire des glaçons, ça peut être sympa pour faire une grosse fête et vous avez besoin de plein de glaçons, plein de gros glaçons. Et après on enlève le ballon. Et elle dit que ça fait trop joli. Je dis, tu les balances pas, hein, parce que prendre ça dans la tronche, ça va faire mal quand c'est passé au congélo. Merci ma puce. Attention, 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 attention. Non! Toi tu serais capable de le faire en plus. Non, 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 non. Ne joue pas avec ça, ne joue pas avec moi. Je joue pas. File. Elle est dure avec moi, cet enfant. Et donc, ensuite, moi, je me suis pris 4 petites bricoles. Donc, les filles, elles ont pris ça. Je sais qu'Emma, elle a pris 2 diamond paintings, parce qu'elle adore ça, Emma. D'ailleurs, ma Juju, j'ai pensé à toi, parce qu'Emma, elle a pris le même que toi, avec le petit chien qui ressemble à Lascar. Qu'est-ce qu'elle a pris d'autre? Ah si, j'ai acheté des crayons de couleur et des feutres pour Marie, parce que tout est dans les cartons et Marie, elle s'ennuie. Là, il lui reste que ses vêtements, donc elle se fait suer. Bon, il y a un peu de bricolage derrière moi, mais elle a pas envie. Du coup, je lui ai repris des crayons qui étaient en promo, des feutres, un coloriage d'adulte. Ça va lui faire passer le temps. Elle a pris ça. Je me demande s'il n'y a pas un autre truc. Bon, bref, on s'en fout. Moi, j'ai pris ces 3 coffrets-là. Je vais vous montrer. C'est pour faire des bijoux. Donc, vous pouvez faire une paire de boucles d'oreilles, 2 bracelets, 2 pinces et un collier. Je vous montre et je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris. Alors oui, je pourrais dire à Marie, choisis un des kits et amuse-toi à faire les bijoux. Mais c'est pas pour ça que je les ai pris. Enfin, entre autres. Parce que les pinces, les barrettes, si. Je vais les faire pour Marie. Mais si j'ai pris tous ces petits kits-là, c'est surtout pour faire des bijoux d'albums. Bah oui, vous savez, moi et les albums. Donc voilà. Et ce matin, il y a une copine qui nous dit, moi une autre copine, t'as vu ce qu'ils ont sorti chez Action? Et c'est vrai que quand We Are Memory Keeper l'avait sorti, je l'avais pas acheté. Parce que déjà, j'étais pas sûre de savoir m'en servir et par rapport au prix, je m'étais dit ça comme m'embête quand même de mettre un certain prix dans un truc. Oh, ouais, je suis désolée. Ça m'embêtait de mettre... Viens bébé. Toujours Lascar.
Il est sur le tapis là-bas. Bref, ça m'embêtait de mettre un certain prix dans un objet que j'allais, enfin dans un outil où je me disais, je vais pas réussir à m'en servir. Et là, trop bien, action l'a fait. Et pour moins de 5 euros, je me suis dit, il n'y a pas tortillé quoi, on va tester. Donc je vais tester parce qu'en plus mon plume avait fait, ouais, c'était mon plume qui m'avait fait un cerf avec ça. Donc, et puis de toute façon, il y a plein de tutos sur YouTube, donc je vais m'éclater. Je vous montre. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je sais plus comment il l'appelle chez We Are Memory Keeper. On va l'ouvrir ensemble parce que je l'ai pas ouvert. Ouais, j'ai pris ça. J'ai pris ça. Parce que je me dis que c'est vrai que c'est sympa sur des cartes. Ah, il y a la fleur là. J'en ai reçu une de fleurs comme ça. Enfin, au prix, je me suis dit, vas-y, Lulu, tu peux te faire plaisir. Après, si j'y arrive pas, je sais très bien que Marie, elle va vouloir tester et bah, vous savez, hein. Marie est très manuelle, donc... J'arrive, hein, Nanou. Ça se trouve, elle m'attend depuis tout à l'heure, la gosse. Elle dit rien. Non, elle est en train de crier son âge. Hop. Donc, on l'ouvre. Ah, super. Voilà. C'est une petite plaque, comme ça, avec les fils en dessous. Donc, j'ai pas trouvé de fil de rechange, mais je m'inquiète pas, hein, je retrouverai. D'accord. Et après, il y a un cahier. Excusez-moi. Je suis honteuse. J'ai horreur de bailler comme ça en vidéo, mais je sais pas, des fois en vidéo ça me prend. Ah, trop bien! Alors, il y a un bouquin avec plein de petits tutos. Donc là, on s'en fiche à l'introduction. Je vous montre les modèles. Donc, il y a de quoi faire un ballon. Vous voyez? Un ballon. Une fleur. Alors, je vous montre les modèles. Comme ça, si ça vous intéresse, bah, vous pourrez aller chercher ou pas. Une tête de chien, j'adore, là, la feuille. Une étoile, un dinosaure. Après, c'est pareil, c'est sympa. C'est quand on met ça sur une couverture d'album, ça peut être sympa. Non ? Avion, glace. Ah, la glace, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ah, bah ouais, carrément. Excusez-moi. Ensuite, il y a une tasse à café, j'aime beaucoup aussi. La couronne. Ensuite, ouais, je vois l'envers. Ah, l'ampoule. Je kiffe. Ampoule. Oh, trop bien. Un cactus. Ah, trop bien. Pour décorer les albums, je trouve ça trop bien. En plus, il y a des modèles, donc c'est génial. Là, c'est un flamant rose. Là, il y a un appareil photo. J'adore. Je suis contente. Merci, la copse. Elle se reconnaîtra, pas besoin de la nommer. Un coco. Là, c'est la fleur que je vous ai montré sur l'emballage. Et là, c'est un mot en anglais. Voilà, qui se retrouve là en bas. C'est marqué. Yes, ok. Ok. Donc, je ne l'ai pas lu. J'ai pas envie. Donc, on va enlever la planche du son de l'emballage. Voilà. Et je vais l'ouvrir pour découvrir. Je ne l'ai même pas ouvert. Hein. Je me suis dit, je vais l'ouvrir en vidéo. Voilà. J'ai envie de faire une vidéo. Parce que je sais que ce week-end, c'est mes dernières vidéos ici. Donc, autant en profiter. Puis, du coup, je me suis dit, allez hop, un petit live. J'ai peur d'être brutus et de le casser. Ah, attendez. Ils ont pas marqué sur la notice comme le fait. Ah non, c'est un tiroir. Je me disais bien. Je me dis, je suis en train de forcer dessus, je vais le péter. Bah oui, c'est normal, ça s'ouvre pas. Ça se glisse. Lucie, ça se glisse. Oups, et bah voilà. Oh là là, la blonde. Donc c'est pas grave. Je n'ai rien cassé. Je n'ai rien cassé. Et puis en même temps, ça serait tant pis pour moi. Non mais je vous ai dit, des fois je suis un peu brutale. Donc c'est ça. Ok. Ah ben tu voyais, ça va m'énerver. Je vais plus réussir à le remettre dedans. Bah attends, on va faire dans l'autre sens. Donc dedans, je vais vous montrer. Il y a les petits repères, les petits machins. Donc il y a des gros et des plus petits. Et il y a aussi une pince pour couper, j'imagine, l'espèce de câble. Je pense que c'est... Je sais pas en quelle matière c'est. Ah bref, c'est pour couper les petits câbles. Vidéo de brin. La fille qui sait pas se tenir, qui sait pas parler. Attendez. J'espère que je l'ai pas cassé quand même. Non. J'aurais pas fait ça. Hein. Attends. Voilà. Juste bien imbriqué, hop. Et voilà. Non, c'est bon, je l'ai pas cassé. Vous voyez ? Donc vous faites attention, hein, c'est un tiroir.
Voilà, en même temps, si vous regardez sur l'emballage et que vous n'êtes pas bêta comme moi, vous allez vite vous en rendre compte. Mais je vois que sur l'emballage, là, il y a un petit outil qui n'est pas là. Ou c'est peut-être là. Non. Je sais pas si vous allez voir, là, on a l'impression qu'il y a comme un stylo, vous voyez. Mais ça, c'est pas dans la boîte. Ça fonctionne également avec des stylos 3D. Ok. C'est pour ça qu'ils ont mis la photo. C'est un stylo 3D. D'accord, ok. Pas de problème. Ah, en plus, si j'avais lu sur l'emballage, c'est marqué dessus comme le porte-salut. Plaque gabarit avec tiroir de rangement. Donc j'aurais tout de suite su qu'il fallait pas que je m'acharne à essayer de l'ouvrir. 50 chevilles, voilà. Un coupe-fil. C'est de l'aluminium. Fil d'aluminium. Un manuel avec 20 motifs. Il suffisait de lire derrière. Bon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les notices, généralement, je les lis pas. Puis après, je dis, oh, c'est du brun, ça fonctionne pas. Puis après, quand j'ai la notice, je fais, ah, d'accord. Donc ça, même ce petit truc-là, là, je pense que Maria va s'amuser aussi à le tester. Donc c'est bien. C'est vrai que là, on s'est précipité à faire les cartons. Et Marie, quand on va à l'école le matin, elle a toujours pas d'arrivée en retard. Donc ça la stresse. Donc elle a tout emballé. Du coup, bah là, j'ai racheté les crayons. De toute façon, les crayons, elle les avait plus. Ces feutres, c'était ces feutres de cette année. Donc ils fonctionnaient plus. Donc je lui dis, écoute, reprends-toi des feutres et des crayons. Il n'y a pas de problème. Ça sert toujours. Comme ça, on va pouvoir faire un peu de dessin et un peu de coloriage. Voilà, donc ça, même ça, je pense que Marie, elle va s'éclater avec. Et puis, je vous dis, pour le prix... pour le prix, faut pas se gêner, quoi. Voilà, c'est du action. Après, qu'est-ce que je pourrais... Non. Si j'ai trouvé des blocs, alors oui, je sais, c'est pas bien, je suis Stampin' Up et je prends des blocs action, oui, mais pour faire mes albums, là, comme je sais que Emma elle veut en faire un de ses vacances avec son jeune amoureux, enfin voilà, et puis ils me plaisent. Donc je vous les montrerai pas, je vous les montrerai une fois qu'ils seront sur les albums. Parce que de toute façon, c'est des trucs que vous avez déjà vus, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais peut-être aller me faire une petite sieste pour éviter de bailler ce soir sur le live. Et puis voilà, voilou. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end. Je remercie encore Sylvie et son mari. J'embrasse encore bien fort Marius, ainsi que toute ta famille, Sylvie. Et je te remercie, mon Kinder Poisson Rouge. Mon Kinder Poisson. Ah, tu t'es fait suer, hein. C'est adorable. Des petits embellissements, tout ça. Ah, c'est cool. Oups, c'est cool. Bah, du coup, mon classeur, il est plus là. Bah, ça sert à rien que je regarde, je le sais qu'il est dans un carton. La teubée. Donc là, je pense que je vais finir d'emballer ce qu'il y a là. Ah non, on m'a demandé un tuto. On m'a demandé un tuto ce matin. Donc je vais tâcher de vous faire ça à la suite. Ouais, je pense que je vais vous faire. On m'a demandé le tuto de la pochette. Voilà, que Angela... Bah, j'avais pas tout enlevé. Que Angela m'a envoyé, donc je vais tout enlever pour prendre les dimensions pour que rien ne me gêne. Hop, ça s'est décollé. Hop, on a tes coins. Voilà, je vais vous faire le tuto de cette pochette là parce que c'est vrai, quand on a des petits embellissements, des petits scraps bidules à envoyer aux copines, c'est toujours bien sympathique de les mettre dans ce genre de petites pochettes. Donc je vais vous faire ça en tuto. Bon, par contre, je pourrais pas la remplir avec vous, j'ai pas assez de matos pour pouvoir faire les embellissements. Mais allez, bref, je vous laisse, je vous retrouve pour une deuxième vidéo, pour un petit tuto. Voilà, je vous fais des bisous et surtout, scrapez bien.